air. Salut à tous, c'est Rayek et bienvenue pour le nouvel épisode de Minecraft, ma petite aventure. Alors, aujourd'hui, alors je comptais en fait, bon la bouffe c'est bon, je comptais faire un petit peu la maison, mais en faisant le tour pour essayer de chercher des ressources, hein, j'ai fait un petit peu le tour du propriétaire, bah, je suis tombé sur une ruine. Et je pense qu'on va aller plutôt la visiter, ce sera plus sympa. Ça fera pas deux épisodes de construction d'affilée, donc voilà. Alors je vais juste déposer un petit peu le matos. Ça on va garder pour plus tard, ça on a. Les flèches, on s'en fout pour le moment. Ça on s'en fout, ça on va garder au cas où. La rotten, on s'en fout. Je vais me faire des petites torchounettes. Je vous montrerai après un petit truc avec l'obsidienne. Parce que j'ai un mode normalement un peu spécial qui me permet d'utiliser l'obsidienne d'une certaine manière, enfin vous verrez. J'ai un saut, j'ai l'épée d'or, on s'en fout, les escaliers on s'en fout pour le moment. J'ai d'ailleurs regardé aussi pour le graphite, je ferai peut-être quelques trucs, mais il faudrait que j'en récupère un petit peu plus. Parce que on peut faire des armures avec, donc voilà. Alors, sur ce... Non mais oh, faudrait bosser un petit peu pour remettre des plantes là. Non mais sérieux, vous foutez quoi les... c'est les carottes, c'est les patates qu'il faudrait. J'espère que j'ai pas enlevé toutes les patates du truc. Parce que sinon, je vais plus en avoir. Et ça va être plus chaud pour la bouffe. Oui parce que je voulais faire le tour pour essayer de trouver moutons, vaches... Et autant les ramener par ici, mais malheureusement, j'ai pas trouvé. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé comme chevaux? Il y en a, mais alors, une flopée. Il y a un champ complet qu'avec des chevaux. Donc, voilà. Allez, je vais vers ma petite ruine qui est par là-bas. D'ailleurs, je suis passé par un drôle de chemin. Donc on va aller explorer ça, tranquillou. Elle est par là-bas. Alors je vais d'abord peut-être me faire mes torches, parce que j'en ai pas, je vais pas en avoir assez sinon. Alors j'ai gardé cette armure pour le moment. Voilà, déjà 22 torches, ce serait déjà pas mal. Et après on verra selon... Donc c'est, je ne sais plus quel mode j'ai, je crois que c'est donjon, expanded donjon, ou je sais plus exactement, qui augmente, non, j'aime quand j'entends les miaou, j'aime pas, parce que la dernière fois je me suis fait tuer par, j'étais pas passé par là, je prends un chemin complètement à la what the fuck, ah ouais non, je suis vraiment, ah, voilà, elle est là, alors il y a deux choses, en fait celle a été générée un petit peu bizarrement. Il y a une partie qui est là. Donc je me demande si je récupérerai pas qui est complètement buggé. Parce qu'on peut pas aller. Ah si on peut. Oh on peut y aller. Mon dieu. Alors ça va faire de la grosse visite là. Et on a une deuxième partie. On s'en fout. On peut perdre quelques points de vie. C'est pas la mort. Et on a l'escalier qui est complètement à côté. Et là, il y a du monde en bas. Je suis allé jeter un œil la dernière fois. Hop, on va torcher un minimum. C'est bien, il y a du charbon. Encore. Et là, on arrive, voilà. Oh mon dieu. Oh my god, il y a du creeper de partout. Est-ce que j'ai un moyen de pouvoir... Voilà. Oh mon dieu, il y a un creeper ici. N'explose pas, s'il te plaît. Pas maintenant. Aïe, 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 l'araignée. Il y a du people, hein. Mon dieu. C'est bon. Faut que j'arrive à le tuer avant. C'est bon, je l'ai eu. Là, il y a de l'araignée. Elle est en train de grimper. Bon, elle a du mal.
absolument que j'arrive. Voilà. Alors si j'arrive à descendre. Allez hop, j'ai perdu des points de vie, mais c'est pas grave. Je voudrais écarter les creepers. Alors là, à mon avis, ça va bastonner. Ok. Oh là là. Oh, ça c'est un sacré donjon. Alors il y a du creeper dans tous les sens, hein. Ok, à mon avis, ça mène ici le. C'est bon, il y avait de l'eau, donc ça a pas trop détruit les trucs. Mon dieu, mais c'est immense. Oh mon dieu, il y a un générateur de mobs, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. C'est la première fois que je tombe sur ces donjons, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a un coffre. Il y a du générateur de partout! C'est trop horrible! Je vais les désactiver si je peux. On va faire attention. C'est génial ça, j'ai un petit donjon à côté. Je vais pouvoir en faire un. Oh, y a un peu beaucoup de monde. Bon, ça va, je prends pas trop cher. Ok. Bon, là, ça va être top pour se faire de l'XP, hein. Ok, ah, il m'a pété quand même l'escalier. Enfin, l'échelle, mais c'est pas grave. Faut vraiment que j'arrive à désactiver les. Ok, bon, il a un peu détruit le truc, mais c'est pas grave. Alors, je pense que ça l'a désactivé. Je suis pas un spécialiste parce que c'est la première fois que je tombe sur un générateur. Toi, tu as une épée. Oh là 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 là, il y a du monde de partout! C'est horrible! Putain, l'épée va bientôt casser! Heureusement que j'en ai une autre. Putain, je me fais agresser par derrière! Meurs! Sale bête! Vite, on torche tout ce qu'on peut. On s'occupera du coffre après. J'avais vu un autre générateur. Oh, il m'a droppé un poisson. Il y a des poissons qui drop de partout. Là. Hop. Voilà, je crois que normalement ça le désactive là aussi. Putain, mais il sort d'où? Bon, ça va. L'armure est correcte. On prend pas trop cher. Mais je pense que ça a dû générer énormément de mobs. Oh putain, oh non. Oh non. Je suis mort. Vite l'eau. Ouah. Ouah. Je suis pas bien. Vite. Vite, régénère, point de vie. Pas d'archer, s'il vous plaît. Le temps que ça régénère. Mon dieu, ça pop de partout. Bon, ça va, j'ai eu le bon réflexe. Enfin, j'ai eu assez vite le réflexe, mais il y a du mob de partout. Mais si on arrive à épurer le truc, ce serait assez marrant. Je pense pas que j'arriverai à l'épurer en. Je retrouve l'eau parce que si jamais. Oh mon dieu, oh putain, oh putain qu'il a fait mal, saloperie de. Oh putain, il encaisse bien en plus, c'est bon, je l'ai eu, j'avais un archer, j'ai vu un archer, j'ai mes points de vie qui ne régénèrent plus. Ça va être chaud, hein. Il est où l'archer? Il est là. Viens ici. Approche. Putain, j'ai l'épée qui est pas bien là. Putain, mais ça pop où? Ça pop ici là. Comment ça se fait que ça pop encore? Faut plus de torches autour? Pas que ça pop? Sinon je vais le détruire celui-là. Putain, j'ai fait tomber où l'eau? J'entends l'eau. Je voudrais récupérer l'eau. Voilà. Parce que si jamais je retourne dans une zone. Ah, y a toujours. Putain, y a l'air d'avoir du monde, mais à foison. Est-ce qu'on est à peu près calme ici?
Bon, il semblerait que ça soit un petit peu plus calme. Alors pour éviter la grosse connerie, hein. Voilà. Hop, on met une torche. On va éliminer. Il y a un creeper qui arrive. C'est pas grave. Bon, il a pas trop détruit non plus. Il faut que j'élimine la lave bientôt. Là, il y a l'air d'avoir. Oh mon dieu. Il y a du mob. Ça va être chiant pour épurer tout ça. Bon, ils ont l'air d'être bloqués, donc c'est déjà pas mal. Alors, on va essayer de se mettre tranquille. Bonjour. Voilà. Vous pourrez gueuler tout ce que vous voulez. C'est bloqué. J'ai pas assez de torches, là. Voilà, c'est pas assez éclairé. Ok. Non, zombie qui arrive. Bon, je crois que je vais le péter, ce... Mais je sais pas si c'est ça. Oula, il est parti dans les... Hop, je vais en mettre qu'un. Je vais m'emmerder. Je vais essayer de bloquer un peu les zones. Pas être emmerdé. Hop, voilà. On va en mettre un deuxième. Araignée qui est là-bas. Ah oui, alors ça. Et on voit plus rien. Vite, de la torche. Ok, c'est bon, je vois où je suis. C'est quoi qui m'a tapé? Il est où? Saloperie de zombie. Mon dieu. Ce donjon, je n'arrive pas à dépasser la première salle. Je me demande si je vais pas péter les... putain, j'ai des torches qui ont été détruites. Je suis en manque de torches. Comment ça se fait qu'il n'y ait plus de torches par là-bas? Je bouche les trous pour plus, pour éviter de tomber. Alors est-ce que j'ai... Alors, j'ai l'air d'être secure ici. Je vais vite essayer de me faire de la torche ou net. Ça va, j'ai récupéré mes points de vie. Parce que je pense que vu le bruit qu'on entend. Non, je fais n'importe quoi là. Vu le bruit qu'on entend. Il y a l'air d'avoir un petit peu de monde. Qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré du poisson. On va faire hop hop. Et c'est reparti, on va pouvoir retorcher un peu tout ça. Et on va la mettre là en attendant. Il y a un générateur là-bas. Putain, mais il est immense ce truc, c'est impressionnant. Faudrait que j'arrive, j'aimerais bien déjà voir ce qu'il y a dans le coffre. Allez, que dalle, c'est bien, j'adore. Vive le coffre vide. Bon, là, on craint plus. Là-bas, ce coffre-là, je vais être obligé de casser le mur pour ouvrir, avec un petit archer derrière. J'adore les coffres vides. C'est merci. Toi, tu peux mourir. Reviens. Reviens pour mourir, s'il te plaît. Non, tu veux pas. Allô. Putain, il va falloir trouver tous les trucs qu'il faut. Mais alors, on va avoir de massif XP. Il y a une araignée quelque part, je la vois pas. Elle est où? Elle est là. Sale bête. Allez, descends. Meurs. Ou alors meurs, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça que je viens de voir passer là en flamme? Là, il y a de l'eau. On va faire hop, une petite torche là. Et hop. Voilà, je voudrais éviter de crever comme un... Nous avons un joli creeper. Tu veux pas venir? Ok, il peut pas passer, mon dieu. Ok, aïe. Oh mon dieu, un cheval de l'enfer. Tu veux mourir s'il te plaît, merci. Je vais mourir. Waouh, waouh. Mais il a une portée lui. Viens là toi. Voilà, t'es mort. Oh, il m'a donné du cuir.
C'est déjà pas mal. Bon, c'est bien, ça a juste détruit le coffre. Merde. Bon, ben voilà. Ah, plus coffre. J'ai la caméra qui a complètement tourné. Mais putain de. Va essayer de me pousser vers la lave. Putain, elles viennent d'où ces araignées? J'arrive pas à. Un creeper qui est là. Il semble bloqué là-dedans. Donc on va le laisser, hein. Oh mon Dieu, mais c'est quoi cette zone de malade? J'ai eu le réflexe. Mais chaud. Putain, faut arriver vraiment à tous les bloquer. Non, hop là, voilà. Reviens-toi. Il y a du creeper, mais dans tous les sens, c'est horrible. Oh, tous les coffres sont vides, je suis deg. Hein. Rendez-moi! Mon Dieu, mais c'est quoi cette zone? Bon, là-bas, d'accord, c'est là-bas que ça génère les araignées. Viens là, viens ici, l'araignée. T'as comment je vais passer cette zone? Je vais la bloquer. Ça va être le plus simple. Pour éviter qu'il y ait trop de mobs qui viennent et je ne me régénère plus de points de vie. Viens le zombie, meurs, s'il te plaît, tu peux mourir, merci. Voilà. Je pense que. Non. Waouh. J'arrivais pas à le knockback. C'est quoi ce bordel? Ah puis en plus il y a du truc par là. Oh là 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 là. Bon, on va condamner certaines zones. Parce que je pense que je vais en avoir pour un bon moment. Pour arriver à me sortir de ça. Parce que ça a l'air d'être immense. Il y a l'air d'avoir des générateurs de partout. Je pense que la fuite s'impose. On va torcher quand même un max. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, c'est une grande salle. Je peux mourir. Ok, alors le donjon, on va y revenir, hein? Mais alors armé, comme pas possible. Ok, y a rien par là. Faut surtout pas que je me fasse détruire les escaliers. Sinon, je suis dans la merde. Je crois qu'il y a du monde qui arrive. Bon. Tant que je me fais pas prendre un sandwich, déjà, c'est pas mal. Mon Dieu, mais c'est immense le truc. Mais c'est des malades. Comment ils ont généré un truc pareil, quoi? Mais ça va jusqu'où? Ça va jusque sous ma base ou quoi? Attends, regarde la carte, elle est immense, hein. Oh, mon Dieu. Bon. Caboulé. Je crois qu'il y a un générateur là, voilà. Vite, vite, vite. Se barrer. Ou deux archers. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh, je prends cher. Oh putain, j'ai pris cher. Mon Dieu, ils sont trois. Vite, allez, allez, meurs, meurs. Ok. Oh, c'est l'horreur, j'en pleure. Bon, vite, je remonte. On s'occupera de ce donjon un peu plus équipé. Alors, je vais vous montrer comment je peux m'équiper et ce sera plus facile. Mais je vais manquer de torches, donc je vais rentrer la queue entre les jambes à la base. Je suis en train de me perdre. Voilà, parce que je veux pas que l'épisode soit trop long non plus. Allez, c'est pas grave, on s'occupera de ça la prochaine fois. De toute façon, je vais marquer. Tu m'as foutu la trouille, toi. Sérieux? Me fous pas la trouille comme ça. C'est un loup-garou.
You're hurting me. Stop it. Voilà. Lui, il se transforme en loup-garou. Donc, faut pas le laisser en vie. Alors, je retourne au village et je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer avec la petite obsidienne. Voilà, alors des chevaux, il y a du zèbre, il y a du cheval, il y en a 3 tonnes hein, tout autour du village. J'ai pas trouvé d'autres créatures, malheureusement. J'aurais bien aimé avoir un petit peu autre chose que ces créatures-là, mais la génération a pas voulu qu'il y ait autre chose. Et puis alors, qu'est-ce qu'il y a comme pieuvre? Voilà. Alors la muraille sert relativement bien. Le seul truc, c'est que bon, de temps en temps, ils arrivent à faire un peu le tour par l'eau. Mais bon, on les voit venir, donc ça va. Alors, on va les déposer un petit peu tout le bordel. Je vais prévoir un creeper. Donc... Alors, on va les poser le bon. Alors, j'ai récupéré de l'arc. Hein. Ça, c'est pas mal. Peut-être pour en refaire un complet avec tout ce que j'ai récupéré. Ça, on peut enlever. Ça, on peut enlever. Ça, on fera cuire. Ça, on s'en fout. La rotaine, on s'en fout. Bon, j'ai récupéré un stone brick. Alors, l'obsidienne. Je vais en prendre 5. Je n'ai pas besoin de plus. Il y a la possibilité. Je l'ai mis où? Je l'ai pris sur moi, je crois. Oui, il est sur moi. Est-ce qu'il y en a un dedans? Non, là, il y a juste un coffre. De toute façon, il faudra que je le récupère. Alors, on va foutre l'atelier ici. Hop. Et je vous montrerai, en fait, l'obsidienne. Il y a la possibilité, avec le mod, c'est Obsidian Mod, de créer ben, tout ce qui va bien après, derrière. Voilà, on peut créer une petite armure. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. On va faire le casque. Et on va finir avec les bottes. On peut même faire aussi la petite épée qui va bien. Il me reste des sticks. Il me reste des sticks. On peut faire la petite épée qui elle est costaud. C'est presque, je crois, supérieur au diamant. Et ça a une durabilité de psychopathe. Hein. J'avais déjà testé un petit peu. C'est pas mal. C'est bien sympa. Je pense que ça va être mon épée principale que je vais enchanter plus tard. Parce que regardez, c'est 4 pour l'iron. Là, c'est 6. La redstone, lui, c'est 7. Le diamant, je sais plus. Quoique. 8 efficiency, à voir. Alors après, l'armure en elle-même, si je la mets sur moi, on va rien voir. Ah, quoique. Oups. Bah non, je vais être habillé tout en noir cette fois-ci. Voilà, j'ai une armure de psychopathe. Alors on voit pas à combien elle protège malheureusement. Par rapport aux autres. Mais bon, je vais essayer de faire un petit peu tous les sets d'armure possibles. J'ai plein de flèches sur la gueule, j'adore. J'adore. T'as, elle a pris cher. Hein. Wouah. Puis alors, j'ai réussi à me sortir des flammes. J'ai eu le bon réflexe. Tard, mais j'ai eu le bon réflexe. Il m'a fait peur, lui. Après, on peut faire aussi pioche. D'ailleurs, bon, c'est à côté. Je vais en faire une, tant qu'à faire. Ça me fera une petite pioche pour aller. Qui a une bonne durabilité, normalement. Elle a une bonne durabilité. Elle équivaut à celle de la diamone. On arrive à piocher de l'obsidienne ou des trucs comme ça avec, donc elle est pas dégueulasse. Rends-moi mon truc, voilà. Alors, ben l'épisode, je pense que voilà, il y a eu un petit chouïa. À chaque fois, ça me fout la trouille. Sérieux, vire-moi cette herbe. ces herbes hautes, il va falloir que je les vire. Elles me foutent la trouille. Et je crois que j'ai plus de place. Voilà, j'ai déjà 2 sets d'armure qui ont été faits. J'ai la terre, je vais enlever. J'ai préparé des stands pour pouvoir poser dessus. Qu'est-ce que je pourrais enlever? Je vais récupérer ça. Un diams. Non, c'est 2 diamants. Hein. On va récupérer 3 comme ça. Qu'est-ce que je pourrais virer? Ben c'est bon en fait. Et je vais pouvoir mettre ma petite armure bleue ici. En attendant que je me fasse ma petite salle qui va bien pour la mettre dedans. Voilà. Maintenant, c'est parti. Oh, je... Si, faut que je prenne aussi 2, 4.
Alors, il faut savoir que si j'ai transformé l'obsidienne hein, avec ça, on peut le retransformer si on veut directement en bloc. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le double clic, ça avait du mal à marcher. Donc, hop, hop. Vraiment, non, mais si je fais pas le bouquin avant, ça peut pas marcher. Alors, hop, papier. Hop. Ah non, c'est 3 qu'il en faut, non? Non, je confonds. Non, pardon, c'est bon. J'avais un doute, c'est bon, ça marche. Donc, on va se faire la petite table d'enchante. C'est pour ça que je les ai dit. Hop, hop, et voilà, j'ai ma petite table d'enchante qui a été faite. Alors, pour le moment, je vais faire de l'enchante simple. Je vais pas m'ennuyer à faire un truc costaud. Alors j'ai vu qu'il y avait dans une des baraques, bah, il y a ça, voilà. Il y en a plein. Faut que je prenne hop, mon lapis. Alors, si je veux enchanter cette arme, bah, on va voir. Qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? J'ai le droit à quoi? Sharpness 1 et Ban of Arthropod. C'est du smite hein, qu'il me faut, donc c'est pas terrible. Sur la pioche, qu'est-ce que tu proposes? Efficiency 1. Oh oui. Oui, je veux bien. Sur la diamond, qu'est-ce que tu vas me proposer? Alors là, on ne sait pas ce que c'est. Unbreaking. Allez hop, une petite efficiency. Voilà. Comme ça, j'aiderai des pioches qui seront costauds. Maintenant, qu'est-ce que tu me proposes sur l'arme? No back, sharpness et Ban of Arthropod. Il veut vraiment me donner ça. Hein. Sur celle-là, qu'est-ce que tu proposerais? On ne sait pas. Unbreaking power. Hein. C'est quoi? Allez, on va juste regarder ce que ça donne. Leash 1? What? C'est je tape et je régénère. Alors oui, j'ai mis un truc qui me donne des nouveaux enchantements. Non mais il veut pas, hein. Il veut pas me donner autre chose que Sharpness. Enfin bon. Allez, le petit épisode va s'arrêter ici. J'espère qu'il vous a plu. Prochain épisode, ben mardi. Hein. Cette fois-ci, alors, je vais pas tout de suite retourner dans le donjon. On a fait une première visite de ce petit donjon. Je pense que ça va être un truc, il va falloir que j'aille le sécuriser. Il me faut un petit peu plus de. Tiens, on va aller tester la pioche au passage. On va. Comment dire Je vais arriver à trouver les mots. Oui, on va le faire petit à petit. Je vais essayer de sécuriser un max les zones petit à petit, puis on verra bien si j'arrive à le récupérer. Là, je vais aller vite tester la petite pioche. Quand il veut. Voilà. Je vais aller faire continuer. Vous avez vu, hein, j'ai fait un petit peu des zones. Hop. Voilà. Allez. Bon. Ah, quand même, la redstone, on l'a récupérée super vite. Après, je ne sais pas combien je vais pouvoir faire de. Bon, alors, ça, c'est les trucs que j'avais fait. Ouais, non, ça mine super vite quand même. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas photo. On sent vraiment la différence. Et si je prends la diamond, voir la vitesse. Allez! Je la trouve un peu plus lente. Si je reprends l'obsidienne, non, c'est pareil. Donc les deux se valent. C'est bien, j'ai retrouvé plein de charbon. C'est plutôt cool. Il y a du mob. C'est bon. On a eu ce qu'il faut en baston. Voilà. Il est où? Ah, le truc jaune, on le voit. Il doit être par là-bas. Alors pourtant, j'ai miné jusque-là. Il est là. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Alors, on va voir les dégâts qu'on fait avec cette arme. 7. Comme l'autre. Sauf que sa durabilité va être équivalente à celle du Diams. Donc c'est quand même bien pratique. Voilà, allez, j'arrête là. Je voulais faire un peu moins de 30 minutes. Bah, manqué. Moi, je vais essayer de miner parce que je voudrais essayer quand même de trouver les diamants qui me manquent. J'avais déjà visité par là. Qu'est-ce que c'est ce truc violet?
C'est l'XP. Ok, d'accord, j'adore. Ça affiche tout sur la carte. Ok, bien. Allez, je stoppe l'épisode ici. J'espère qu'il vous a plu. Prochain épisode, donc, comme je l'ai dit, mardi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne Facebook, Twitter, le groupe Steam, le Twitch. D'ailleurs, ce soir, live, enfin, au moment où vous verrez cette vidéo, je serai. Enfin, le jour où j'aurai posté cette vidéo. C'est bon, la redstone, on s'en fout. Vous aurez droit à un petit live le soir même. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous voulez voir des trucs, si vous avez trouvé ça fun. On va tout bousiller. Non, il faudrait que je descende. Oh, il y a du fer. Récupérons le fer. Oui, donc laissez un commentaire, petit pouce up, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, bye bye.